Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tokos. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce, je vais bien. Et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Comment faire les makemba, bananes plantées avec le gingembre. Mais avant de commencer, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste en bas pour ne rien rater si je poste une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de me suivre Instagram. La Diva Rebessim. Et sur Snap aussi, c'est la Diva Rebessim. Et sur TikTok, c'est la Diva Rebessim. Et sans plus tarder, on passe à la vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose comment faire le makemba, banane plantée avec les gingembre. Et ça, c'est le encore. Les Ivoiriens font ça. J'ai appris ça à Côte d'Ivoire. Et puis, je suis ma marraine. Voilà, c'est trop bon. C'est trop bon. Et donc, sans trop blablabla, on passe à la vidéo. Donc, pour faire votre plantain, vous aurez besoin de gingembre, plantain, et puis du sel avec magie, kip magie. Et ce que l'on a kip magie, tu peux utiliser aussi bouillon, un peu de bouillon, voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire ça. Voilà. Et voilà, ça c'est pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens connaissent le goût de ça, comme dit Tata Sarah. Tata Sarah, le goût de ça, les Ivoiriens connaissent ça. C'est tellement bon. Fini de couper le plantain, c'est ça. Donc, je vais mettre, utiliser le, comment on appelle ça, gingembre. Tamaoui. Voilà. Surtout avec le, comment, tamaoui, gingembre organique. Oh my goodness. C'est trop bon encore. Ah, j'ai pas le comment le tangaroo organique là. Et donc voilà, si pardon, vous n'utilisez pas le cube magie, vous pouvez utiliser les bouillons parce qu'on utilise ça avec le cube magie. Moi, je n'ai pas le cube magie. Et donc, je vais utiliser le bouillon et puis je vais une cuillère à soupe, voilà. Et puis, je vais mettre un peu, juste un peu ça bien. Sel. Et si vous voulez aussi, vous pouvez mettre, rajouter aussi l'oignon. C'est trop bon. Mais moi, j'aime pas avec l'oignon. J'aime le claquelot. Si je fais le claquelot, un jour, je vais vous montrer comment faire le claquelot. Et bien, il y a le claquelot. Donc, je vais vous montrer. Là, je mets l'oignon. Mais comme ça, ça noircit un peu. J'aime pas trop. Donc, j'ai bien assaisonné mon plantain. Je vais fermer ça, je vais mettre ça au frigo pour 2 heures. Ou bien une heure 30, ça dépend. Mais moi, je vais laisser ça pour 2 heures pour que les épices, là, ça puisse bien entrer jusqu'à les entrailles. C'est trop bon, hein? J'aime ça. J'ai appris ça à Côte d'Ivoire, chez les Ivoiriens, voilà. Donc, je mets ça au frigo pour 2 heures, voilà. À tout de suite. Plus de 2 heures. Voilà, maintenant je vais faire ça. Et donc là, voilà, je vais commencer à faire mon plantain. Je m'émule jusqu'à ail. Pardon, ça demande vraiment le fait. Là, je mets le réchaud jusqu'à ail. Donc, mon tomacasse pour que mon huile est chauffée. Et puis là, je vais commencer à faire le plantain. Donc, c'est ce que moi, je fais. Donc, voilà.
Et donc là, voilà, mon huile a chauffé. Là, je rajoute ça pour le bruit. Je suis avec ma fille. J'ai mis l'oignon, j'ai coupé l'oignon pour parfumer un peu mes plantains. C'est pour cela que j'ai mis l'oignon dans l'huile. Donc là, voilà, c'est tellement bon. Les mamans, faut essayer à la maison, même pour les enfants, même pour les visiteurs. Mon mari est devenu fan de ça. Avec les tangawis, gingembre, faut essayer les mamans, faut essayer. Je vais commencer à partager si le temps me permet. J'ai deux enfants, ils sont tellement petits. Donc souvent c'est difficile pour moi de faire des vidéos. Souvent je télécharge, je fais la vidéo, puis je vais commencer à faire les montages et tout. Donc si Dieu nous fait grâce, je vais commencer à faire des vidéos, vous montrer des recettes. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez là. Là, ma kim malanga awa. C'est malanga m'occupé. Donc, le coup, ils ont aussi. Donc, là, maintenant, je vais commencer à tourner. Les goûts de ça, va demander ça chez les Ivoiriens. Ils vont vous dire, c'est tellement bon. Le papier, parce que pour absorber un peu l'huile. Les Ivoiriens mettent la serviette. C'est que nous, on appelle la serviette. Là-bas, on appelle ça torchon. Voilà. Les Ivoiriens mettent le torchon. Pour enlever un peu d'huile et puis je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Donc ça c'est notre makimba. On est arrivé à la fin. Je voulais juste partager avec vous ce petit secret. Et si ton mari aime le plantain, faut faire ça. Il va devenir trop fan. Même tes enfants, fais comme ça pour les enfants. Et donc les enfants vont devenir encore trop fan de plantain parce que c'est trop bon. Et si tu fais ça avec on appelle gingembre. Organique, faut faire très attention parce que là c'est un peu fort par rapport à ce qu'on achète ici. Tu mets juste un peu par rapport à la quantité de plantain que tu vas faire. Donc voilà, c'est trop bon. Ça ajoute un peu quelque chose. Moi j'aime ça. J'avais appris ça à Côte d'Ivoire et puis je suis ma marraine, maman, mamie, Malala. Je vous salue et c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, je vous jure c'est trop bon, faut essayer ça. Quand tu regardes comme ça, tu dis, ça n'a pas changé, il y a quoi de différence? La différence est dans la bouche, la différence n'est pas dans les yeux. Quand tu regardes comme ça, toi tu penses que tu vas voir la différence, non. Donc faut essayer, tu goûtes là, quand tu goûtes dans ta bouche, et puis là tu vas voir la différence en goûtant, en mangeant, en essayant. Donc, c'est ça. Et si tu fais ça aussi comme ça, tu n'as pas besoin d'être accompagné. Moi, si je fais comme ça, même mes enfants, je n'ai pas besoin de manger ça avec quelque chose. Donc, je mange ça comme ça. C'est comme si j'ai mis déjà la viande et tout et tout et tout et tout. Je mange comme ça. C'est vraiment yummy. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-moi vos pouces bleus, vos pouces alors. Et un petit commentaire, franchement, ça fait vraiment plaisir de vous lire. Et pourquoi pas de partager la vidéo pour soutenir votre sort et partager la vidéo pour annoncer la bonne nouvelle. En tout cas, je vous aime beaucoup, que le bon Dieu vous garde. Là, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous. Bye. See you.